Ah. Ma sirène, elle est toute maigre, regarde. Nouillaf! T'as vu? La vilaine nouille. Elle est en train de faire une diète. Non, mais ça lui fait du bien. Hein. Sirène! Oh les. Ma sirène? Attention, tu vas te faire charger par le petit mouton. Patate. Oh non, il tape de la patte comme si c'était un. Je t'attrape par les côtes, mon papa, puis je te fais faire l'hélicoptère. Non, mais l'autre, mais par contre, j'allais dire, il a des grosses couilles à s'attaquer à tout le monde, mais en même temps, oui, c'est vrai, il a des très très grosses couilles. Je sais pas si on les voit en dessous, c'est giga couilles. Il y a vraiment des giga couilles, quoi. Et en fait, ils sont voisins. Sirenette. Oh putain, les gars, attention. Non, on va aller voir les copains. Eh oh! Bonjour! Les cochons! Voilà. Ah bah d'accord, vous êtes en train de manger? Et lui, le petit machin là, avec son petit cou? Il mange? Ah bah de toute façon, il n'y a plus que personne. Oh, il s'étend. Alval, quel vilain machin de ces moulots. Nouille! Cochon! Ah, elle nous entend avec sa petite queue, mais pas plus. Voilà. Ah, je suis pressé de passer là avec mon tank tout défoncé, les arbres et tout là. Alors là, par contre, tu vas être obligé de m'avoir sur ton chemin. Ah, les pots de fleurs dans le château, tout fou en miettes dans les chenilles et tout là. Oh non, chérie. T'as un AMG GT et tout, la capote qui se prend dans les chenilles, tout le moteur par terre et tout. Oh merde. Comment que c'est beau là, ici. De toute façon, ici, c'est la cuisine d'été des chevaux et tout. Là, juste là. Tout là, c'est la cuisine d'été, c'est vraiment genre là. L'été, toutes les bêtes, les chevaux, les moutons, les cochons, tout le monde vient se foutre là, à l'ombre à mort. Mais c'est une résidence secondaire pour eux, ça. Les blaireaux qui ont des résidences secondaires, ils ont des trucs à la boule. Tu vois? Et je m'inclus quand je dis des blaireaux, c'est juste que j'ai pas encore une résidence secondaire, mais je ferai comme tous ces cons-là. J'en aurai une un jour, tu y vas 3 semaines, alors, ça te coûte une fortune pour rien. Comme ça. Et elle se met ça sous la panse et elle fait comme ça. Ouais, je sais, elle se gratte la panse. Elle se gratte le ventre, regarde les. Ouais. Ah, c'est incroyable. Sirène, elle a fait du dégât, hein, regarde. Ouais, elle a bourre tout. Mais bon, ça va. Ouais, non, mais c'est. Oh là là. C'est beau. Ah ouais, j'adore. L'odeur. Bah. Ouais, c'est stylé, j'adore. Oh, les bonnes odeurs. Oh là là. Regardez-moi ça. Oh, le paradis, quoi. Ah oui. Nous, le jour où on va crever, qu'on va arriver au paradis, on va se dire putain, mais en fait, c'est de la merde. Ou alors, mettez-nous au château, tu vois. Ah oui. Mais toi, de toute façon, toi, vu comment t'es pourri, t'iras en enfer, toi. Ah bon, d'accord. C'est moi qui t'ouvrira la porte, t'inquiète pas. Et ça, là, ce pauvre chien pourri, là. Ah, le pareil. Un bull terrier, mais c'est pas des terriers ces machins-là, ils se foutent pas, ils vont pas sous la terre pour ça. Maurice, c'était un terrier, mais ça, c'est pas des vrais terriers, ça. Ah, si, c'est des chiens qui ronflent et qui pètent, si, ça. Si, quand elles sentent une taupe, tu verras les trous qu'elles font. Pour pas que le bois pourrisse, ouais. Un bout de plastique, paf, deux, trois pointes. C'est bien pensé, hein. Encore, je pensais que c'était quelqu'un qui avait ramassé une pièce du buggy quand je m'étais foutu la gueule dans l'arbre. Ouais. Putain, t'as vu, ils faisaient ça bien quand même. Tu vois? Tu vois? Même des tubes de fer. Excellent. Voilà, il y a des grosses ferrailles, on sait pas trop. Il manquait de bois. Il devait parquer les bêtes et les passer par là. Ouais. Et nous, on reprend le chemin d'époque. C'est magnifique. Bon, là, j'ai une petite frustration, c'est que je pourrais jamais aller me faire une balade en tank ici. Ah, non. Je défoncerais tout, et même si je parais pas comme ça, mais j'ai pas envie de défoncer ma belle petite nature. Bah, même si, franchement, on a l'impression que je suis un menteur quand je dis ça. Mais il y a certains paradoxes dans la vie. Ça en fait partie. Mais là, quel bonheur de se balader là, quoi. Faut qu'on remette. Oh là là. Ça, moi, des décors comme ça avec des arbres morts dans les branches et tout. J'adore. J'adore. Tout le temps avec maman là. Ah, on se fait le tour. On se balade. On a un seul chemin. Et tout le reste autour, c'est de la nature. Magnifique. Et là, le petit chemin. Et en fait, c'est un chemin historique. Parce qu'à l'époque, il y avait des vaches qui se baladaient ici. Et là, on va passer dans un endroit qui était un. C'était une barrière à. Une barrière pour mettre les vaches, parquer les vaches. Ouais, c'est ça. Parce qu'avant le château, il y avait 300 hectares de terrain. Et vous voyez toutes ces vieilles barrières, alors je les ai rebidouillées un petit peu parce qu'elles tombaient en lambeaux. Et elles étaient toutes baisées. Qu'on les a un peu rebidouillées pour que ça fasse un peu propre. Mais regarde, c'est trop mignon, quoi. On a les vieilles barrières d'époque, t'as vu, ça tenait avec des vieilles ferrailles comme ça et tout. Moi, j'ai caché des vis un peu torx. Tu vois, pour pas que ça se voit. Oh putain, mais attends, c'est quoi ça? Ah ouais! Ah oui, tu vois, ils pensaient à tous les anciens. Les concierges, regardez. Le petit chat là, et l'autre chat là. Et si vous regardez bien, ils se regardent.
Elle est en train de le regarder. Je sais pas si elle le voit. Non, il est pas sorti en bas. Bébé. La commère, elle est là, la commère. Le chat de gouttière. Et l'autre qui se prend pour une châtelaine, elle est là. Non, mais l'autre, elle est à la fenêtre toute la journée. Tu sais, on dirait les vieilles grand-mères dans les lotissements. Les vieilles grand-mères. Il y avait une vidéo de, je sais pas si c'est pas Nasdas ou je sais plus qui avait fait ça, qui avait dit, les gars, regardez, elle est où la caméra 360? Et là, ils zooment, c'est une grand-mère qui a la fenêtre, elle est comme ça. Tu sais. Mais il y a des grand-mères dans les villages, et surtout dans les villages de campagne comme nous, c'est des caméras 360. Ouais. Nous, on a acheté une maison à côté, pas très loin du château, je vais bientôt vous montrer, parce que je vais faire tout un sujet sur ma chaîne secondaire. Il y a une grand-mère devant, c'est une caméra 360. On n'est pas arrivé la première fois pour le jour de la visite, elle était comme ça. Puis mon gars, reportage, hein. Elle a écrit tous les heures, comment on s'est garé et tout. C'est incroyable. Mais c'est marrant, ça fait partie du folklore. On l'avait reçu dans un grand carton comme ça? Non, je m'en rappelle pas. Non, non, les petites îles flottantes, quoi. Les petites cabanes des canards. Attends, mais c'est quoi ça? C'est quoi que j'entends là? C'est une 50 à boîte? Oh là 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 là. Putain, regardez-moi ça. Le bon vieux chaton. Oh, la petite Golf 8 là, avec les petites jantes noires. La peu froid. Oh là là, elle, je la garde, je la retire du concours ce soir. Oh non, putain, elle est trop belle. La TTRS, franchement, j'adore. Oh les vaches. Oh putain, il fait beau, ça y est, on est passé de l'hiver à l'été en un jour. Quelle chance. Bon bah là, y'a plus que ce soir jusqu'à minuit les potes, hein. Putain. Oh non, ils se sont couchés le temps qu'on fasse le tour. Avec l'autre gogole derrière là, qui les regarde, qui a envie de chasser tout le monde. Tu sais ce qu'elle veut faire? Nouille. Nouille. Si elle allume un coup. Mongolienne, si elle te met un coup de soulier, le chevaux, elle te tue. Ici, parce que le sabot là, il est beurre ce que t'as fait. Elle se couche, elles font un mètre, elles se couchent tellement, elles sont énormes.